Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Lyon aujourd'hui, dans ce magnifique théâtre Les Échappées Belles à Lyon, dans le 9e arrondissement, là où j'ai eu l'honneur de faire une de mes premières grandes, magnifiques conférences. Il y avait plus de 200 co-créateurs dans cette salle et je vous dis, cet, cet endroit est chargé d'émotions et je suis assise à côté de Michel. Michel, vous êtes le, le fondateur, comment on dit, de ces lieux. Vous êtes le, le gardien des lieux. Je, non, ce, ces lieux sont constitués un équipement municipal que la ville de Lyon et la communauté urbaine de Lyon m'ont confié pour satisfaire un certain nombre de missions des missions de création euh, de, de danse, de spectacle, des missions de formation de danseurs, puisque nous sommes une dernière école, une dernière compagnie. Qui forment ces danseurs, une mission d'insertion de l'art au cœur de la cité. Mmh. Parce que nous avons mis en place, il y a maintenant 19 ans, un festival dans le 9e arrondissement, le Festival des enfants, qui a embrassé des dizaines de milliers d'enfants, et un travail de diffusion de l'art en Méditerranée, puisqu'avec notre festival intermède, avec le Maroc, l'Italie, l'Algérie, etc. Et puis le, le, la joie également de recevoir des penseurs hommes et femmes qui nous apportent leur expérience de vie à partager avec le public. Vous êtes donc ici aux Échappées Belles qui est confiée à la compagnie de danse Alais Gaillan. Merci d'avoir ouvert les portes de ce magnifique théâtre parce que c'était vraiment une, une soirée qui était pleine d'émotions. Et puis mmh. euh, normalement, qu'est-ce qui se passe dans cette, dans cette salle là, sur ce tapis sur cette Que tapis. vous êtes vous-même danseur. Mmh. Sur ce tapis, il y a là donc tous les jours le cours euh, du matin, le cours de la compagnie, le cours des professionnels. Toutes les après-midi, les répétitions dans le lieu, en vue de créer des œuvres, de les tourner. En ce moment, nous, nous, nous préparons une, une tournée de demain dans la région parisienne avec notre spectacle pour Gisèle. Et puis, le spectacle le soir, il y a ici des cours pour les amateurs et en danse classique et en danse contemporaine. Et donc, il y a ici, vous le voyez, des, des fauteuils qui accueillent le public, des enfants des écoles, mais aussi le public de tout le quartier et de tout Lyon. Mmh. Je suis très intéressée par votre parcours personnel parce que d'être danseur, vous êtes danseur, hein, ça demande énormément d'exigence, de, de détermination. Vous avez vous-même, et comme vous le savez, je suis très intéressée par ces parcours atypiques puisque vous avez un parcours atypique. Qu'est-ce qui vous a donné cette force un jour Comment vous avez reconnu Comment vous, vous êtes senti Est-ce que vous avez reconnu assez jeune que vous étiez danseur, que vous étiez né pour être danseur Oui, j'ai reconnu ça assez jeune, mais je vivais à une époque où euh, la danse est dans un milieu euh, dans lequel l'art n'était pas une activité euh, comprise euh, instantanément et de façon très naturelle. J'ai donc hésité longtemps, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre l'art et, et le, et le non-art, entre la cité et l'art, et ceci m'a amené pendant une dizaine d'années à un parcours d'extrêmes de, 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 difficultés personnelles que j'ai... Euh, que j'ai dépassé simplement à l'âge de 27 ans. Mmh. Et à la 27 ans, je rencontre le travail de Merce de Cunningham à l'Opéra de Paris, dans un spectacle intitulé Un jour ou deux, en octobre 73. Et là, j'ai reçu une énergie telle que j'ai pris la force de mon petit baluchon et de passer l'Atlantique pour aller vivre trois ans à New York et étudier la danse là-bas. Je suis rentré en France, j'avais 30 ans et j'ai créé la compagnie. C'est donc une vocation euh, précoce, mais une détermination tardive. Mmh. Un schéma donc non pas très classique. Ouais, ouais. Mais il s'est passé quelque chose à un moment, il y a eu cette reconnaissance, il y a eu cet appel, il y a eu cette... Comment on appelle ça Parce que c'est vrai qu'il s'est fait plein de petits moments. Je vois pour moi, mon inspiration, ça a été Oprah Winfrey. Je l'ai vu sur scène et paf, ça y est. Ça, ça a débloqué quelque chose. Je, je me suis reconnu sans me reconnaître, mais il y a eu, il y a eu un appel. Je crois que euh, y a le, les mécanismes de l'appel sont des mécanismes complexes. Il y a euh, le schéma personnel, le moment que l'on vit, il y a les joies et les souffrances qui s'accumulent et basculent dans quelque chose qu'un ange, hein, qu ange euh, apporte. Et pour moi, cet ange, ça a été euh, le spectacle que, que, que Meurs avait fait là-bas à, à, à Paris, à l'Opéra de Paris. Un jour ou deux, qui est un spectacle qui ne constitue pas le meilleur souvenir dans la mémoire de Merce Cunningham, je le sais, parce que les conditions de réalisation de ce travail ont été très, très difficiles. Mais œuvre magistrale, qui était pour moi une œuvre initiatique, qui m'a donné la force de ce déclic qui était un, un cri de vie. C'était ou bien, ou bien danser ou bien mourir. Mmh. Donc lorsqu'on est, est face à une échéance comme celle-là, ou bien on est morbide et on tombe, ou bien on a une vitalité et on l'exprime. Ça a été le deuxième cas. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Oui. Et comment vous avez vécu ces, ces, cette évolution Je suppose que, 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 que l'art, la danse, s'est transformé, a changé, a évolué. Enfin, je veux dire, vous avez traversé combien de décennies Trois, bientôt quatre. Donc il y a eu... Non, mais il y, y a quand même un travail sur soi. Et puis ça change d'être danseur, de, de, de devenir chorégraphe, d'avoir de, de, une compagnie. De... C'est quand même beaucoup d'évolution tout ça. Ce n'est pas, pas tout le monde qui a un, un tel parcours, vous avez un parcours atypique, je dirais même que vous êtes même un visionnaire. Nous sommes un certain nombre à avoir des parcours atypiques. C'est vrai que lorsque l'on ne tombe pas tout, tout seul, tout seul, tout de suite, rapidement dans, dans le, le bain de, de l'art, dans cette société telle qu'elle était il y a 40 ans, euh, c'est une chose encore aujourd'hui qui est complexe. Mmh qui est même dangereuse, parce qu'il faut, euh, tant que l'on n'a pas la reconnaissance dans le regard des, des, de votre entourage, les choses sont quasi impossibles. Ou alors on est en rupture de regard. Et là, ça pose encore d'autres problèmes. Mais euh, il manquait ma détermination. Vous savez, quand on est, euh, comme je le suis, fils d'immigrés par mon père et par ma mère, euh, se lancer dans l'aventure il y a 40 ans de la danse est une chose incroyable. Un, Concevable. Mmh. Surtout que du côté de ma mère, ce sont des orientaux et que la danse pour des orientaux, c'est l'art de la prostitution. Donc, euh, qu'un fils dans lequel on a mis euh, les, les espoirs de réussite, d'insertion sociale, de, de paix enfin méritée, retrouvée, euh, pour une famille ainsi, euh, ça n'est pas aisé. Donc, euh, il a fallu soulever tout ça et on l'a fait comme on a pu, on l'a fait comme ça. Mmh. Et vous, et vous allez vers quoi quelles, quelles sont, je sais, les lettres d'Isadora Est-ce que, est que vous aimeriez en parler aujourd'hui Il est vrai que depuis 35 ans, la compagnie de danse Allée Gaillant forme des danseurs que l'on reconnaît comme de, de, de fort belles personnes, de fort belles qualités. Vous avez formé combien 200 danseurs Quelque chose comme ça. Et euh, bon, nous avons créé un peu plus de 60 œuvres qui ne sont pas toutes des chefs-d'œuvre, mais dont une, une trentaine tiennent largement le, le cap, comme euh, pour Gisèle, Witch's Side Story, enfin une trentaine de pièces qui sont des, des pièces majeures, dont vous, que vous avez vu pour, pour l'une d'entre elles en tout cas. Mais parallèlement à ça, parallèlement à cet art du chorégraphe, nous mettons en place depuis un certain nombre de décennies, je n'ose pas compter, euh, un, un autre type d'art qui à côté de l'art du chorégraphe, qui est un art en temps euh, différé. Euh, euh, nous créons un, un art du danseur, que j'appelle un art en temps réel, que j'appelle la composition vivante. Mmh. Et je m'explique de ce travail-là dans une œuvre à venir, euh, dont l'édition est, est incessamment sous peu, au titre de Les Lettres à Isadora. Donc ce sont dans ces Lettres à Isadora que j'explique ce point de vue, qui nécessite de passer d'un art... Qui, somme toute, la chorégraphie et le spectacle de danse ont été conçus au XVIIe siècle et qui prévalent encore aujourd'hui pour notre plus grand bonheur et pour le mien, à un autre type d'art qui correspond un tout petit peu plus à ce que nous sommes tous aujourd'hui en ce moment. Qu'est-ce que ça vous éveille, tout ça Qu'est-ce que ça vous fait de... Parce que je, je ressens beaucoup d'émotions face au, à l'être à Isadora, enfin, de votre relation. Euh, on, on sent qu'il y, y, y a quelque chose qui est en train de naître, encore une autre étape pour vous. Eh bien, nous sommes en train de mettre euh, les, les prémices de ce qui, à mes yeux, yeux c'est au public de décider. Ouais. Hein. Mmh. Ce sera donc vous de, de le décider, de le mettre en place euh, un art qui soit authentiquement du 21e siècle, c'est un art qui euh, pose la personne humaine dans un autre statut et le danseur dans un autre statut que l'interprète de la pensée d'un autre, l'interprète du regard d'un autre, mais qui est le vécu de son propre regard. Or, son regard n'existe que s'il est croisé avec d'autres regards. Le regard des autres danseurs, des autres artistes et du public, constituant mmh. ainsi ce que j'appelle une république des regards. Mmh. Et ce sont ces œuvres que je vous invite à découvrir dès euh, le mois de, de mars, que nous avons déjà commencé à créer l'année dernière et qui ne va plus nous quitter jusqu'à ce que, jusqu ce que la, le souffle de vie soit encore dans ma poitrine. Voilà. Mmh. Donc là, c'est vraiment une co-création, parce que moi, je m'adresse toujours aux personnes qui regardent. Comme des co-créateurs, pour moi, nous sommes des co-créateurs. C'est vraiment là. C'est pour le coup, c'est une co-création. Les œuvres de la composition vivante, les œuvres, les lettres à Isadora, sont des œuvres qui n'existent que parce qu'elles sont sous le regard du public. Et il n'y a pas un public. Il y a autant de publics qu'il y a de personnes. Et ce sont tous ces regards croisés qui font que cette œuvre existe. Les œuvres que vous allez voir n'existerait pas sans ces regards-là. Euh, c'est ce qui différencie un petit peu ses œuvres du répertoire de la chorégraphie. Une œuvre de chorégraphie vaut quand elle est vue par le public, c'est certain, mais elle a une part d'autonomie. C'est ce qui caractérise le répertoire. Le répertoire, on le sort à un moment donné, on le vit et on le range. Il, est, il y a une, 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 une vie euh, hors du regard. La composition vivante, non. C'est l'œuvre du regard que chacun pose sur cet instant de vie et qui doivent être euh, écrits et dessinés avec la rigueur du regard. Donc je vous invite, Lilou et tous vos, vos admirateurs, vos auditeurs, à découvrir ces lettres à Isadora, ce travail de composition vivante qui, pour moi, est l'art du danseur. Merci. Est-ce que vous auriez un, petit, un dernier un petit message pour toutes les personnes qui regardent par rapport à, à votre parcours, par rapport à des choses qui vous sont touchées, par rapport à des choses qui vous ont fait avancer Je n'aurais pas cette, tout à fait cette, cette, cette ambition. Simplement, je peux dire qu'à un moment donné, on, on avance parce qu'on n'a pas le choix d'avancer. Et que si on n'avance pas, on est mort. Mmh. Donc euh, si nous avançons, c'est parce que nous sommes profondément vivants et que cette dynamique est en évolution permanente et qu'à l'instant où nous avons commencé cette discussion, j'étais quelqu'un, vous étiez quelqu'un. Et aujourd'hui, à l'instant, maintenant, nous sommes des personnes différentes et dans quelques instants, nous serons encore différents. Mmh. Délicieux, merci pour, cette... merci pour cette rencontre avant tout, merci beaucoup. Je vous envoie plein plein d'amour, mes délicieux co-créateurs, merci de partager cette vidéo. À bientôt, gros bisous de Lyon, des échappées belles. Au revoir.